Rebonjour YouTube, mais non. Mais non. Merci. Rebonjour YouTube, bonjour et bonsoir à également. Putain, mais merde, j'avais pas mon son de micro assez haut à tous les coups. Oh, bon. Bref, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un bon appétit. J'espère, voilà, j'espère. C'est l'été! On le sait, c'est le 5. Nous avons Penny. Je dois aller au village aujourd'hui. Prends soin de toi, Garnier. Hop. On prend ça. On a affaire. Toutefois. Oula. Je suis tombé sur Robin ce matin. Elle m'a dit que tu avais un nouveau clapier pour slime. J'essayais d'élever des slimes à ton âge. C'était un grand passe-temps, mais dangereux. Comment penses-tu que j'ai perdu cet œil? Je plaisante. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Vous avez reçu un œuf vert de slime. C'est un œuf de slime. Tu peux le placer à l'intérieur d'un incubateur pour le faire éclore. Maintenant, regarde bien cet œuf. La prochaine fois que tu partiras à la chasse au slime, garde les yeux ouverts pour trouver plus d'œufs. Ils sont rares, mais les slimes les déposent de temps en temps. Ramasse des œufs de différents slimes pour ajouter de la variété à ton troupeau. Un troupeau? Nous allons donc faire un troupeau de slime. Très bien. On va tout poser. Quelle journée, mes aïeux. Le clapier à slime est donc terminé. C'est ça qu'on essaie de m'indiquer? Ah. Penny ne va pas vers lui, il est dangereux. Alors, allons voir. Le gluant. Le gluant. Le rampant! Oh, le rampant, on a encore du temps, hein. Je sais pas exactement quand est-ce que ce sera, mais il y a du temps. C'est pas une urgence. Vraiment pas. Bon! Ouais. Là, ça pousse, c'est bien. Faut que j'arrose ici. Ne pas arroser. Il me faudrait virtuellement deux arroseurs en iridium en plus. Pour ça, il va me faire encore du charbon. Ok. C'est donc à ça que ressemble mon clapier à slime. Putain que c'est laid. Pardon. C'est vilain. Franchement, c'est vilain, hein. Non mais attendez, ça va pas du tout, hein. Je vais voir un truc vite fait. Après, voir si je peux lui changer son skin. Si on peut lui changer de skin, ça va, l'espoir renaît. Parce que là, c'est vraiment dégueulasse. N'ayons pas peur des mots. Et rebonsoir, Vince. Rebonsoir à tous et toutes. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Merci Frit pour le raid, j'espère que ton stream s'est bien passé, yada yada. On va chercher notre truc. Après, on m'a dit oui, à cause des mauvaises herbes, la ferme s'abîme, truc. Je sais pas où, du coup. On verra. On devrait être vite fixé. On va chercher les caviars.
Je suis très mécontent de là où il y a le clapier à slime. Hein. Pour le moment, ça me va pas du tout. Tiens, à ce propos. Mieux. Je préfère comme ça. Cette grange. Oh. Oh non. C'est bien ça. Ouais, je sais, je sais. Eh oui, oui. Oh, ça suffit. Bon, voilà. Ça va vraiment dépendre. Si ça, il y a des skins alternatifs. Oh oui. Oh oui, il y a des skins alternatifs. Ça va. Tout est pardonné. On va pouvoir le mettre ailleurs, c'est bon. Non, parce que c'était juste absolument tragique. Hein. En l'état, c'était vraiment vilain ce à quoi ça ressemblait initialement. Ouf. C'est bon. C'était atroce, ça faisait prison, enfin j'ai jamais aimé la gueule du truc de base, mais... Je trouve ça très vilain, comme ce à quoi ça ressemble initialement. Ouais, on dirait plus une taverne, mais c'était pour. Hein. Dieu merci, alternative texture existe. voilà. C'est fait pour, ouais, que ça fasse un peu terrasse comme ça. Maintenant, il va falloir que j'aille faire un puits. Vous savez où il est, le puits? On va aller faire. J'ai changé le poulailler aussi. Je trouve qu'il est très bien comme ça, le poulailler. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Robin? Bonjour, Noldo, je viens de terminer mon jogging matinal. J'ai bien regardé ta ferme, les progrès que tu as réalisés sont incroyables. Oui, je trouve aussi. Je vois que les bâtiments que j'ai construits pour toi tiennent toujours, j'espère qu'ils te servent bien. Tu as fait un excellent travail. C'est bon à entendre. Je n'étais pas encore là dans la vallée quand ton grand-père travaillait à la ferme. Je pense que Sébastien avait environ 2 ou 3 ans quand ton grand-père a pris sa retraite. Ah oui. C'est incroyable comme les terres agricoles sont belles maintenant. Je me souviens avoir lu un article sur la ferme quand elle a été mentionnée dans les nouvelles, c'était il y a quelques temps. J'espère que tu obtiendras une autre interview, Noldo. Tu as fait beaucoup plus de progrès depuis. C'est gentil, ça, merci. Je vais rentrer à la maison et prendre une douche. Passe plus tard si tu as besoin de quelque chose. D'accord. Quel était le projet de cette rencontre? Oui, alors d'ailleurs. Excusez-moi. Hein? Ah oui. Je suis très peur. Faut qu'on amène la pâte de lapin à Robin. Attends, sauf s'il y a son anniversaire prochainement, mais... Robin. Robinet, le 21. Bon, il y a le temps. Faut donc y aller. Lui offrir une pâte de lapin.
Splatoon là. Robin, j'ai un présent pour te remercier de ton travail. C'est pour moi. Waouh, je l'adore. 4 sur 10. Hein. J'aimerais qu'on construise un bâtiment. Un petit puits. Je crois que le milieu il est là. Et non. Le milieu il serait plus là. Le vrai milieu là du terrain c'est là. Ouais, le vrai milieu c'est là. Retenez ça. Ça va le faire. Et merci Fritz pour le lien en fait sur Discord. Ah. Cinématique ? Non, pas de cinématique. Le travail bien fait. Je dois aller acheter du charbon. Niveau 29 en agri au début de l'été. Oui, bah après ça va très vite en vérité. Hein. Ça va extrêmement vite. Et d'ailleurs, maintenant qu'en pêche on est. Maintenant qu'en pêche on a atteint. On a pêché tous les légendaires, en vrai, je pourrais le reset aussi la pêche là. Je devrais même. Bonjour Clint. Je viens acheter du charbon encore. Je sais, tu peux rire. Nous sommes fauchés. Nous sommes fauchés comme les blés. Ce qui me fait penser. Un peu de sous que j'ai. C'est rude là. Donc là pour le moment pour cette saison je vais devoir laisser comme j'ai là tout l'état de ma ferme. Toutefois il n'y a qu'à oui. Il n'y aura qu'à décaler lors de la prochaine saison. C'est bon. Enfin, lors de la prochaine récolte, du moins. Ça va le faire. Voilà, c'est bon. Les calculs étaient bons, c'est pile ce qu'il fallait. Non, les calculs étaient mauvais, j'ai merdé. Enfin, pas tant que ça. Voilà. Et là, avec le charbon, il faut que j'aille faire vite de quoi faire mes arrosures. Oui, ben, je sais. Vous le dites à chaque fois, je commence à comprendre maintenant. Il faut que je prenne donc des lingots d'or. Non, c'est bon, de l'iridium, oui. Oh puis merde. Vous allez voir ce qu'on va faire. Voilà. Ah, that's that. Bon, il faut que je prenne une presse à œuf de slime, qu'on presse 100 morceaux de slime. Oui, on pourrait. Ça m'a coûté 25 charbons. Cher. Par 3 bocaux. Je vais aller poser mes bocaux. I need the bocal. In my life.
Et petit à petit, vous allez voir, on va... alors oui, on m'a dit de faire de la confiture. Bon, alors on va voir si ça valait le coup, hein. Si jamais la confiture de rhubarbe, c'est dégueulasse, on saura à qui s'en prendre, c'est Vince qui a eu l'idée. Voilà, je tenais à le dire. C'est bien, c'est très sain comme réaction, ça. J'assume. Non mais t'as pas assumé ou quoi, c'est n'importe quoi. C'est une réaction donc de Saloupio que j'ai eu là, bien sûr. Faut absolument pas assumer, parce que c'est absolument pas normal comme réaction. Bon, ça c'est pas si vilain comme ça en vrai. Ce qui me permettra de faire des moulins ici. Donc c'est plutôt pas mal. Quant à nous, nous allons faire une huile de truffe et passer la nuit. Parce que là, c'est l'été. Moi, j'attends qu'un truc, hein, c'est de réparer le centre communautaire, mais vous imaginez même pas. Ouais, c'est bon, mais est-ce que ça se vend? Ah ah. Non, y a pas de raison, de toute façon. De toute façon, il faut expédier un peu de tout. Je suis premier à avoir fait des machins qui ressemblent à rien. Donc, je ne vous jetterai pas la pierre, Pierre. Non, ça, je les garde. Bon, bah on a tout fait pour la journée d'aujourd'hui. Non, pas les... On n'a pas fait les... Les serres. Faut que je refasse les barrières. Mais je vous jure, les barrières, ça m'embête, quoi. On m'a dit que ces barrières-là durent 50 jours, en gros. Bon, c'est peu, quoi. On fait de la gelée de fruits anciens aussi. Faudra voir du coup si ça se vend bien ou pas du tout. Et je suis très curieux. Est-ce que je peux poser des ruches à l'intérieur de mes serres? Non mais la question est légitime, admettez-le. Oh, boulet. Attends, quoi? Non, c'est celle-là qu'il faut que je pousse. Parce que là, ce sont des lampadaires sur les côtés. Que je mettrai. Oh. Je peux. Alors. Ok, facile. Ici, les fruits. Baie ancienne, et là, il y aura des fleurs. Hein. Oh. Après, à voir si elles peuvent faire du miel en permanence. Donc, on va les laisser là, en attendant. Tiens, les graines sont déjà prêtes. Enfin, la graine, du coup. Ce serait très bon plan, ouais, la ruche, là, ici. Bon! On va aller passer la journée, parce que là, je ne peux pas faire mon arroseur. On sait que je suis fauché. Pour le moment, pas de rampant. Ah! On a eu un succès millionnaire! Vraiment, on a atteint le million sur cette partie d'argent reçu. Hein. On n'a pas un million sur nous, loin de là. Et voilà, nouveau succès, millionnaire, 1 million, effectivement, 1 1953 PO. Agriculture niveau 9, ça fait quand même très plaisir, ça. Penny n'est pas là. Penny, t'es parti à l'hôpital sans moi? Penny? Attendez, vous êtes perdu dans la cave, hein? Non, oulala, c'est tout doré, c'est bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une lettre. J'ai besoin d'un beau spécimen de poisson globe. Je ramène une expérience sur la toxine produite par le poisson globe. 1000 PO. C'est extrêmement simple.
Penny est là-haut. Penny, elle vit sa meilleure vie. Parce que c'est Penny. Et que Penny, c'est la meilleure. Je sais, je commence à me répéter. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien. Ah, moi, vous savez, j'aspire à me trouver une Penny. Hein. Plutôt qu'autre chose. Une personne simple mais gentille. Donc là, je vais mettre les récoltes qui sont exclusivement de... de l'automne, hein? Alors que pour l'été, ce sera là. Dans ce coffre, je mets les graines, je vais aussi mettre ça dans... en attendant. Regardez-moi toutes ces belles... toutes ces belles... tous ces beaux saumons rois. Qui nous rapportent plus de sous, du coup, hein, que les caviars. Donc les saumons rois, vraiment le bon plan. Hein. J'avais été bien inspiré. Après, on va voir hein, du coup si les ruches ça fonctionne. Je suis vraiment pas sûr, mais bon. Ah, nouvelle graine. Le conclave. Mais non, mais bien sûr, le conclave, c'était vraiment notre meilleur move. Hein. Allez, on va aller poser nos arroseurs. Je suppose que là, il doit rester de la sève et des trucs. Bon, alors là, ça m'agace. On va donc couper ces arbres. J'en peux plus. Vous n'avez rien à faire là. Ce qui est bien, c'est que ça va me redonner du bois. Ah non, mais lui, il a pas lieu d'être. Oh là, le porc. Dans le fond, il fait du bruit. C'est cochonou, le bon goût, comme... bah, je sais pas. Bref, alors, on coupe ici. Faut que je fasse un truc, parce qu'en vrai, c'est insupportable, tous ces arbres qui poussent n'importe comment. Et le puits, il avance, là, Robin? J'apprécierais, hein. Allez, un peu de nerf. Ça m'a cassé le plancher. Donc ça casse le plancher, ces trucs. Oh mon dieu. Non, mon dieu. J'ai mis un grand coup dans quelque chose où je devais pas. Sol de paille, non, mais je mettrais des graviers, un truc, quelque chose. Ça m'embête, je voudrais laisser le gazon, c'est quand même plus joli le gazon. Mais non! Je voudrais laisser le gazon, c'est quand même mieux. Mais on va trouver, c'est pas long. Non. Je trouverai bien comment faire, je trouve toujours après tout. Alors, on coupe ça. Ça en a foutu partout. J'y
J'ai pas beaucoup de sol sympathique. Peut-être où je pourrais le mettre. Ah mais si, mais on l'avait dit, mettre de la fibre. Oui, mais je crois que la fibre s'est vue comme une mauvaise herbe, donc c'est un problème. Non, mais en vrai, ça va finir que je vais essayer de trouver une solution autre à ce problème. Donc là, du coup, il me resterait 4. Je pourrais en poser 2 de plus. Pardon, 4 de plus. Enfin, 2 de plus de chaque côté, quoi. Une ligne de plus. Je pourrais faire une rangée de plus. Mais en fait, non. Parce que de mémoire, il m'en reste un, là, à les mettre. Et je crois que... Regardez bien. Je crois que ça va remplir les abreuvoirs tout seul, du coup. Et là, je peux les mettre, en gros, le dernier. Yes. Ah oui, d'ailleurs, puisqu'on en parle. On va faire les choses bien aujourd'hui. Je viens de tuer une carambole, hein, mais bon, pas de panique. Voilà, et il me restera juste un arroseur. Un arroseur, et je sais déjà où je veux le mettre. Donc c'est tout bon. Donc là, c'est bon, je peux bêcher tout le terrain. Tout est bon, tout est bon. On ramasse les cactus pour l'agriculture. Déjà. Oui, voilà, oui, c'est pour une bonne cause. Quoi déjà pour les faire les récupérateurs? Merde, ça ressemble à quoi déjà? Attendez. Mini, au fait, c'est quoi les mini obélisques? Placez-en 2 sur la ferme pour vous téléporter entre eux. Oh non, oh c'est super bien ça! On en met un là, on met l'autre dans l'autre serre, là! Oh. Bon. Bon, 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 bon. Mais sauf qu'en fait, je vois pas, il est là. 25 bois, 10 charbons. Oh mon dieu, encore des charbons. Mais pourquoi tant de charbons? Ouais, on va avoir tout cet endroit à rendre en tonneau. Par contre, ça va être terrible. Ça s'agrandit, vous pensez, notre hutte à slime ou pas du tout? Qu'en pensez-vous? Ça s'agrandit ou ça ne s'agrandit pas? Bonne question, hein. Parce que là, moi, j'ai absolument pas la réponse. Alors, non. Ça serait logique que oui. Bon, on va être vite fixé. Où sont mes vaches? Là-haut. Ah.
Et le houblon, je peux toujours pas le ramasser? Non, toujours pas. Ta-da! A new challenger. On n'arrête pas l'agriculture. Alors. Plante. Des choux rouges? Oh. Allez, je tente. Pourquoi je peux pas là? Parce qu'il y a le chat? Il reste 4 emplacements. Dans ces 4 emplacements, je vais mettre des poivrons. Et voilà, tout cet endroit qui va se faire, je ne l'arrose pas, ça s'arrosera tout seul, c'est très bien comme ça. Ensuite, on fait du lait. Enfin, on pose le lait. On fait de l'huile, de truffe. J'attends que le puits soit terminé et je vais aller lui demander de me poser un truc plus tard. Je vous expliquerai ensuite. Je vais poser ça ici. Je peux pas ? Si. Qu'est-ce que je veux jeter? Ça? Non, pas ça. Je veux poser ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Ça, ça. Et un peu de sève. Tant que je n'ai pas d'utilité. Maintenant, on va aller voir les oiseaux. Enfin, les poules. Pardon. Attendez. Salut nos petites poules. 10 nœuds de saumon roi. Waouh. Ça paye, hein. Une patte de lapin. Encore. Alors, si elle est violette, faut l'amener à... Elle est argent. Bon, on va quand même l'amener à Robin. Robin, elle est gentille, elle nous fait des trucs quand même de qualité, faut pas non plus se mentir. Une clôture de fête. Une autre qui sera prête, pardon, bientôt. On va aller poser nos œufs de poisson roi ici.
Après, je continuerai de faire du caviar, même si ça rapporte moins, juste pour le plaisir de dire qu'on fait du caviar. Hein. C'est pas rien, quand même. Allez, on va voir Robin. On va lui parler à Penny. Elle passe une journée lecture, Penny, aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse sur notre petite ferme. Petite ferme, hein, c'est juste une exploitation de la taille de la ville, mais... Petite ferme, bien sûr. Ça, c'est, je reconnais, hein, ça, c'est de la violence, violence psychologique, hein, de me dire que c'est une petite ferme. Elle a perdu tout mon respect. Oui, alors ou pas, hein, d'ailleurs. Allez, hop, on amène ça pour Robin. Sauf qu'elle est pas là. Ah. Bon, faut amener un poisson globe à... Démétrius. Oui, tout à fait, hein, les poissons. Merde. Oh bah tant pis. Je sais plus. Attendez. Elle est là ou pas? La lionne des montagnes. Non. Ouais. Le poisson globe, il va falloir qu'on aille en chercher un. On va aller voir si j'ai aussi une requête en bas. Normalement, oui, je devrais en avoir une. Non, toujours pas. Bah, mais elles sont où toutes alors les personnes là? C'est quand même dingue. Voilà. Oh, c'est la méga omelette de Gus. Ah eh bien les amis, encore une fois nous sommes réunis pour une occasion très spéciale. J'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Mon omelette géante, connue à travers le monde entier. Poivrons piquants, tomates juteuses, champignons somptueux et fromage épicé. Le tout enrobé d'une omelette aux œufs onctueux et moelleux. Attaquez, mes amis. Oui? Qu'en penses-tu? Oh, les champignons sont un peu plus moelleux que l'an dernier. Et c'est une bonne chose? Oui. C'est délicieux, Gus. Ah ouais, c'est encore meilleur, hein, parce que c'est fait maison. Ouais. Ah oui, ces œufs sont si onctueux et tellement jaunes, Marnie. Proviennent-ils de chez toi? Non. Tu peux remercier Enoldo de la ferme Psit & Co. Donc. Des œufs de Psit. Des œufs de Psit & Co. Je ne pompe pas d'œufs, enfin, je tiens à rassurer bien sûr toute ma commu. Bonjour! Bah, y'a personne. Et bon sang, mais. Ah, ils doivent être au magasin, je vois que ça! Bon sang, mais non! Mais ils sont partis où, tous? Enfin, voilà, voilà quand même. Une drôle de situation! Tout le monde a disparu! Bon bah alors là, je sais pas quoi vous dire. Ça c'est Emily. Non. Oh non. En été, le samedi, ce serait logique. Mais je sais pas où ils sont, je ne sais pas. Tant pis, je lui amènerai demain la pâte de lapin. Je devais pêcher des poissons globes. Mais de mémoire, le poisson globe est chiant à pêcher. De 12h à 16h. Peut-être pas. Nous allons tenter de pêcher un poisson globe. Alors normalement, c'est pas dur. Hein.
Donc à la plage, vous nous dites, on va aller voir. Si c'est pas le cas, je considérerais que vous mentez tous. Et je perdrai tout mon respect pour vous. Il y a des poissons en train de devenir fous. J'ai décidé de considérer que vous mentiez beaucoup, tous ici. Voilà. Tiens. C'est un cadeau attentionné, je te remercie. J'ai reçu beaucoup de courriers indésirables ce matin. J'ai besoin de toucher un mot au maire Louis. La plupart du courrier que je reçois sont des publicités et des escroqueries. Bah, faut pas mettre son mail n'importe où. Bon allez, ça part pour pêcher du poisson globe. Non mais oui, bien sûr que c'était logique, hein, vous aviez raison. Il n'y avait pas de vrai reproche. Jamais, vous le savez. Poisson globe, histoire que ce soit vite fait. Une dorade, un rouget, pardon. Une dorade, non mais ça va pas l'être. Ça va descendre. Non ? Allez, un petit poisson globe. Ton. Est-ce qu'on n'irait pas reset la pêche, d'ailleurs? Qu'en pensez-vous? Bonsoir également, Babylone. Ça, c'est soit un poisson globe, soit une étoile de mer. En tout cas, il était pénible. Poisson globe! Boum! Faut l'amener à Démétrius, hein? Apporter un poisson globe à Démétrius. Mon dieu, je mets des grands coups de genoux dans ma table. Parce que j'étais en train de me faxer à nouveau, hein, sous ma table. Alors, Démétrius, je t'amène ton foutu poisson globe. Du coup, j'ai donné la patte de lapin. Mais non, mais je me suis... Pourquoi je lui ai donné la patte de lapin? C'était pour Robin. Mais ça va plus. Oh, ça va vraiment plus. Alors là, j'ai pas d'épouvantail par contre. On va aller en foutre un. Je suis en train de percuter. Enfin, c'est pas vraiment Noël, mais bon. Vous allez voir, normalement, je dois pouvoir le mettre à un endroit rigolo. Bah, ou pas. Si, ça passe. Alors, ça on pose. Et on va chercher Démétrius, monsieur le chercheur. Mais vous savez que je suis un gros idiot, vous savez où elle était Robin? Bah en train de faire le puits. Hein, tout simplement. Oh Démétrius, t'es où? T'es jamais là quand on a besoin de toi.
C'est Abigail qui joue de la flûte avec Maru à côté. Démétrius, bonjour, où es-tu? Vraisemblablement pas par là. Oui bon, Démétrius quoi. Non mais je vais finir par le foutre, hein, le mode qui fait qu'on les voit sur la map, parce que... En vrai, non, 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 assumons, assumons, il faut connaître leur emploi du temps, c'est tout. J'ai pas d'excuses. Des fois, il est vers le puits, mais... Enfin, la fontaine, donc... Ah ben voilà, vous voyez. Ah. Voilà. Ah oui, les sashimi pour Pierre aussi, ça vous oublie. Ah bon, enfin en tout cas, ça avance bien. Très content du coup, finalement, du clapier à slime. Il rend bien. Je trouve que c'est très sympa comme il est fait, là. Et on ira visiter la pêche. Mais pas encore. Doublon, toujours pas. L'huile de truffe, c'est oui. Et nous allons dormir. Oula. Le screamer. Quand on est arrivé. Elle est trop. Dorme. Tu es déjà de retour. Bah c'est 21h22 quand même. Bon, 16 000. Comment ça se fait? Ah, les œufs, hein, les œufs du conclave. Hein. Valeur sûre, hein, le conclave. Grosse valeur d'argent à chaque fois. Je finis à quelle heure? Probablement entre 23h et minuit. Y a pas Penny. Super, la viande d'insecte. Là, je reconnais bien le chat, là. Viande d'insecte, pas de problème. Ah. Tu as arrosé les plantes. Écoute, c'était déjà arrosé, mais j'apprécie. Un endroit idéal pour élever des enfants. Non? Non, non, t'en as déjà un, ça suffit? Je dis tu, mais on, hein, du coup, au secours. Bon, pour le moment, pas de pleurs à récolter. Mais ça va finir par arriver. Elle pouvait pas réparer les clôtures aujourd'hui parce que ça m'aurait arrangé. Parce que alors là, nous, nos clôtures, elles commencent vraiment à morfler. Vous vous rendez compte de tous ces œufs de poisson roi qu'on trouve. Allez, on récolte les radis. Les arroseurs sont liés au mode. Non. Alors, si, pardon, certains oui, mais pas tous. Hein. Ceux en ligne, oui, c'est un mode. Excuse-moi, je me suis planté. Oui, ceux en ligne, ce sont des modes. C'est le coffre au-dessus. On va ramasser des radis. Maintenant, je vais aller prendre mes graines de radis. Je vais les replanter. Ceux qui font des lignes sont bien des modes. Ils sont très pratiques, mais ils ne sont pas forcément les meilleurs. Ceux en iridium, par exemple, ne valent pas forcément le coup, ceux en ligne. Je veux pas manger, je veux rentrer. Voilà. Problème moderne, ça. Mais j'ai pas faim. Il faut te forcer. Ouais, elle a voulu sortir, hein. Oui, je sais, les coquillages, mais malheureusement, les coquillages, il n'y en a pas sur la plage.
je vais vraiment faire un obélisque, hein, au fait. Rappelez-moi ce qu'il faut. Oh putain, 30 bois durs. Et 20 essences solaires. Donc en fait, il faut 6 lingots d'or, 40 essences et 60... J'ai combien de bois durs? 9. Ah oui, non, ça va pas trop ça. Oui, non, ça va pas. On ramasse les pêches. Il fait quoi, l'arroseur, derrière la boîte aux lettres? Alors, il fait parler les gens parce qu'il ne sert à rien. Il sert à rien, actuellement. C'est juste que je savais pas où le mettre, donc en attendant, je l'ai posé là. Comme ça, il prend pas de place dans un coffre, et voilà. Mais il sert à rien. Fait peur aux enfants, à rigueur. On commence à avoir des belles baies quand même. Faudrait que je fasse un coffre aussi, mais... Là, faut vraiment que je fasse un coffre ici, c'est pas possible. I need the coffre. Win against the nose, the Noldo needs the coffre. Pas le bon outil. Pas besoin de beaucoup, hein, mais un peu quand même. Merci. Tiens d'ailleurs, allons voir, est-ce que j'ai des bougies d'allumer? Dur à ce propos. Ça m'embête, cet endroit m'emmerde. Il y a trop de bazar, il faut qu'on coupe ça, hein. J'en peux plus. On voit rien, c'est terrible. Mieux. J'essaie de couper des décorations. Bien, bien, bien. En plus, ça me fait du bois pour les coffres. Oui, alors ça me servira pas pour ça, le bois que je ramasse là. Parce que là, les coffres, c'est bon, ils sont faits. Non, non, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Ça me servira pour faire des bâtiments, genre agrandir chez les slimes ou des trucs comme ça. À ce propos, on a fait le puits. Je pense que ça doit être terminé, le puits, parce que c'est trois fois rien à faire. Alors, on va laisser ça comme ça pour le moment. Et moi, la question que je vous pose... Ces fruits sucrés, ces machins, qu'est-ce qu'on en fait? Des graines, vraisemblablement. Oh, super, ça valait vraiment la peine. Ou alors, je les convertis. Pas clair. Je sais pas, en tout cas on a 31 000, hein, ça monte vite.
Tu m'as pas vu le faire, mon coffre? Ah non, bah pourtant, non, il est bien fait. Bon, pour le moment, là-dedans, non. Toujours pas le houblon. C'est terrible. Je vais aller chercher mon seau magique pour repimper le puits, parce que je pense qu'il... C'est pour avec les papillons. Parce que je pense que je vais pouvoir en faire quelque chose. Où est-ce que je l'ai rangé? Nom de Zeus. Le chat. Le chat! Pousse-toi, le chat! Où il est? Oh! Dear, we are in trouble. Où est-ce que je l'ai foutu? Ah non, hein? Ah non! Enfin. Ah, bonjour. Non, mais je l'ai foutu où, Sandrine? Mon seau! Putain, mais je me souviens pas du tout d'où je l'ai foutu. Non, mais ça, c'est idiot. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que... Je l'ai eu comment, mon chapeau? Lors d'un festival. Par contre, me demandez pas lequel, parce qu'alors là... Je crois que c'était le celui en... Soit en automne, soit en hiver. Un des deux. Il me semble que c'était ça. Okay. Parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, du coup. Je crois que c'est ça, hein, c'est festival. Je suis un petit peu sad, là, en vrai. N'ayons pas peur des mots. Où est-ce que je l'ai mis? Mon seau? Mon si beau seau? Non mais il est pas perdu, il est quelque part, mais... Mais où? En fait... C'est quand même le monde de l'envers, là. J'ai des caramboles qu'on finit de pousser. Voilà, qui ne m'arrange pas. Tu l'as pas vendu quand même? Bah non, je crois pas que je puisse, de toute façon. Ah, regardez! Il est temps de ramasser du blé. Beaucoup de blé. Vous savez ce que... Oh! Du blé iridium! Putain, mais c'est rare, ça. Faut que je le stocke, hein, par contre, le blé. Sur 700. Enfin, c'est quand même fou. Qu'est-ce que j'en ai foutu de ce seau? Je deviens fou. Oh. Voilà. Tout simplement. Je savais bien que je n'étais pas devenu fou à ce point. Allez, allons poser nos trucs, nous. Vous savez ce qui va se passer? Centre communautaire qui est fini. C'est imminent. Il faut que j'aille racheter du blé. On a les moyens d'en racheter, je vais en racheter genre
400 si je peux. 400 ce serait bien. Je vais peut-être pas couper si je peux là. Le maïs beaucoup plus cher. Hein. Des grosses semences qui vont avoir lieu là. Et 200 de planter. Et là, vous allez comprendre mon idée. Ça fait un gros champ, hein. Faut que j'arrose. Au secours. Ce sera joli parce qu'il y aura un chemin qui encadre le puits, en fait. Vous voyez ? C'est pas mal. Et là au milieu, parce que c'est arrosé au milieu, faut pas croire. Ah non, ça sera pas arrosé au milieu. Oubliez ce que j'allais dire. Il faut oublier. Ah bah non. C'est bon, je sais. Bon, très bien. Il y aura des vendanges, il y aura des trucs sur des treillis à ramasser. Bien. Je reprends. Bien. Il faudrait que j'arrose tout ça normalement, mais comment vous dire que j'aurai jamais l'énergie qu'il faut? Donc on va arroser ce qu'on peut et puis le reste, eh ben, tant pis, il sera arrosé la prochaine fois. Ah non, ça va peut-être le faire.
Incroyable ça. Incroyable. On a pu. Finalement, c'est bon. Stupéfiant. Ah oui. On aura encore de la marge hein, sur le côté. Donc c'est parfait. Tout est en train de prendre forme conformément au plan. Maintenant, laissez-moi voir si mon puits a des skins alternatifs. Mais oui, bien sûr. Celui-là, c'est simple. Je suis très satisfait de la gueule de mon endroit, quand même. Enfin, de ma ferme. Je trouve qu'elle est... elle est décente, voyez-vous. Mais non, mais non. Mais non. Mais enfin! Alors. Voilà. Excusez-moi. Ça, je prends ça. Je vais en speed poser le blé au centre communautaire. Ensuite, il restera que le pavot et on aura terminé. Vous vous rendez compte? Terminé le centre communautaire. Si c'est pas beau. Bonjour Harvey. Oui, bon. Bon. On va le mettre dans la chambre des gosses, hein, puis voilà. Je veux dire, un radiateur. Bon. Miaou! Miaou! Le chat, voilà. Donc oui. Voilà. La grand-mère qui fait son potager. Et nous qui rentrons, on va passer la journée à moins que... Et j'en étais sûr. Il y avait le marchand ambulant. On va aller le chercher. Et au fait, maintenant que le puits est fini, il va falloir que je demande à Robin de taper pour me faire un autre truc aussi. Il faut qu'elle me fasse un moulin, là, à côté. Mais d'abord, le marchand ambulant. Il va sans dire. Il faudra qu'on ramasse un pavot. Un seul pavot. Gâteau au chocolat, slime et de chansouille. Acheter des pains rares. Juste les graines rares, c'est important les graines rares, mais sinon, bon voilà, pas trop la peine. Deux graines anciennes, pas mal. De toute façon, bientôt les graines anciennes, je n'aurai plus besoin de les convertir entre guillemets. Au fait, qu'est-ce qu'elle dit, Maruche ? Ici, rien. Je sais pas. Ah.
J'ai quand même envie de voir un truc, si vous me permettez. Cette baie ultra sucrée, si je la mets dans un pot, je ne peux pas. Donc ces baies là, oh, c'est belle là. Ça doit pouvoir se mettre que dans les... On va pouvoir en faire que du vin, on verra. Ou peut-être pas hein, d'ailleurs. Et ça va. En tout cas, il est temps pour nous d'aller dormir. Non, d'abord voir Roby. Oui non, c'est dimanche, donc elle va pas vouloir. Donc il est temps pour nous effectivement d'aller dormir. À une exception près, tant que j'y pense, pouf, paf, voilà, merci. Avec cet arroseur qui a une portée absolument ridicule. 24. Et du coup, au lieu que ce soit en cube autour, c'est sur toute la longueur, donc c'est absolument obscène. Et on va le mettre sur la ligne centrale. C'est là qu'on va ruser. Et on va le mettre, en fait, de l'autre côté. Un endroit où on ne verra pas. C'est-à-dire là. Et là, c'est pas centré. Et là, disais-je, si, il va arroser toute la ligne. Va me permettre de faire quelques petites vignes ça et là, bon, trois fois rien hein. Non, c'est plus grand d'un côté que de l'autre, je me serais donc planté. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais... Ah oui, parce que ça va jusque là normalement, bien sûr. Voilà, là c'est centré, comme il faut. Regardez. Visuellement, j'entends, hein. Voilà. Et là, je pourrais y planter des trucs. Voilà. On va aller passer la nuit et souhaiter la bonne nuit à YouTube également. Ça a bien avancé. Très satisfait de cette ferme pour le moment. Non. Ma mère se sent sûrement très seule depuis mon départ. Oh. Ma mère doit résoudre elle-même ses problèmes. C'est vrai. Exact. Allez, on va passer la nuit. On s'est fait 12 000. Ah ouais, les mayonnaises, hein, ça rapporte. Et on continue de se faire des sous. C'est bien. Puisque là, aux prochaines récoltes, on passe le niveau d'agriculture, donc il va nous falloir 100 000 pour le dernier palier. Par contre, un slime mâle vient d'éclore. Salut Penny. Toutes mes excuses si je sens mauvais. J'ai transpiré à cause de la chaleur cette nuit. C'est pas grave, moi je fais les poubelles. On est fait pour s'entendre. Alors, on n'est toujours pas prêt, hein. T'as de la chance, YouTube, ça va durer plus longtemps que prévu, ton épisode, finalement. J'ai pas des petits trucs à récolter, là. Il est beau, ce jardin, en vrai. Vous trouvez pas qu'il est beau, ce jardin, n'empêche ?
c'est l'heure de la routine. Un nouveau lézard est né. Après Denver, voici Petit Pied. Ah oui, bah en caps lock, visiblement. Voilà, désormais Petit Pied. Qui va découvrir la vie à la campagne. Et Petit Pied qui va bientôt... Oh ! Oh, un œuf iridium. Est-ce que ça vaut le coup de le faire éclore? Non, on en fait de la mayo. Voilà, trop tard. De toute façon, plus... c'est fini, je l'ai mis. Il pourra pas éclore. C'est fini. Il fait de la mayo actuellement. Non, puis bon, déjà, deux dinosaures, hein. Bon, voilà. On a un nouveau fruit ici qui a poussé. Doré, cette fois-ci. Doré... Non, attendez, j'ai oublié. J'allais chanter la chanson des crapauds, qui est absolument insupportable. Je ne la chanterai pas. Soyez sans crainte. La gamme maquille. Je l'ai de rhubarbe. On va voir si ça se vend bien, si ça se vend pas. C'est pas des menaces, hein, ce que je m'av... C'est des pavots, ça, non? Miel de pavot. Bah, c'est un pavot. Faudra qu'on identifie quel miel... se vend le plus cher. Non mais attends. Secours. Et c'est la dernière fois qu'on va aller au centre communautaire. Enfin, la dernière. La dernière fois que le centre communautaire n'est pas complet, du moins. Car nous amenons le dernier composant. C'est pour ça que j'ai pas voulu couper pour YouTube, parce qu'en vrai, on y était presque. Allons voir le slime. Il va quand même pas essayer de me tataner, le slime. Ça va, mon grand? Oh, si. Alors, c'était pour vous faire rire, hein. Évidemment que les slimes vous tatanent. Je précise. On va donc amener ce pavot. Ce sera la dernière fois qu'on verra nos amis Junimo, pendant un petit moment, du coup. Mais on va gagner de l'amitié avec tout le village, avec tout le monde. Je te vois, hein, Vince, hein, pas d'inquiétude. Je retiens. Et voilà. Des gâteaux roses. Des petites pommes. C'est le dernier paquet. Adieu, Noldo. Au revoir. Les Junimos sont retournés dans le monde des esprits. Et nous, nous avons réparé tout le centre communautaire.
Je ne sais pas comment vous avez fait, Noldo. Le centre communautaire n'a jamais été aussi beau. Vous avez rendu à Pelicanville un fier service. Tout le monde au village est ravi. C'est grâce au Junimo. En guise de remerciement, j'aimerais vous remettre le plus grand honneur que l'on puisse recevoir au sein de, de cette communauté. Le prix Stardew Hero. Oh, vous l'avez bien mérité. Mais qui est là alors? Les chiffres d'affaires chutent, ENT, bon sang de bois. Où sont passés tous mes clients? Où sont mes dividendes? Ah oui, c'est Maurice, évidemment, oui. Mais quoi? Tous mes clients sont ici? Mais ce n'est pas bon du tout. Ah non, mais lui, il devrait pas parler, parce que lui, c'est un escroc notoire. Ah, réglons ça à l'ancienne. Local farmer, en pâle. Bon, bref. Non, soyons raisonnables, allons. Un peu de dignité. Ça n'a pas d'importance. Je ferai un rabais de 75% et tous mes clients reviendront en implorant mon pardon. Tu verras. Non, pas cette fois. Assemblez-vous! Je me souviens lorsque j'ai emménagé à Pelicanville. Cet endroit était très animé. Nous avons travaillé ensemble pour améliorer les conditions de vie au village. Il y avait un vrai sens de communauté ici. Georges, tu faisais toujours les mots croisés en buvant un café dans la cuisine communautaire. Tu t'en souviens? Ah, c'était le bon vieux temps. Emily, tu as fait cette banderole pour le festival de Stardew Valley. Je me souviens que ça t'a pris des mois de travail pour la faire. Ah oui, c'était très amusant. Willy, tu te souviens quand ton expérience scientifique avec le crabe est devenue incontrôlable? Je m'en souviens. On est arrivé un matin et l'endroit est infesté de crabes. Voilà. Megus a sauvé la situation avec une idée brillante. Un festin de pinces de crabe pour toute la vallée. Oh, j'aurais mon corps de ce beurre à l'ail. Avez-vous oublié tout ça? Tout notre communauté, ce qui rend Pelicanville un endroit unique. Quand Jojamart est arrivé en ville, nous avons oublié tout ça. Mais maintenant, grâce à Noldo, nous avons une seconde chance. Je vous demande de vous joindre à moi pour boycotter Jojamart. Nous avons le pouvoir de récupérer notre village et sauver notre communauté. Qui est avec moi? Bien. Une personne. Ça fait trop longtemps que je vis ici, voir ce village tomber en ruine. Tu peux compter sur moi. Un boycott, oui, moi, plus Joja, enfin, au revoir. Oh, je suis fichu. On n'a plus jamais entendu parler de Maurice et de ses copains de chez Joja Mart. Ah ouais. Mais les Junimo. Ah, le jeu vient de planter. Non, c'est pas vrai. Bon. Ah, une bonne chose de faite en tout cas. C'était une farce, Ifrit. Ça n'a pas planté. Alors, Maurice, ça va? Ouais, je t'offre un peu de gâteau. C'est délicieux! Voilà, pour la peine. Pelicanton est sous-développé. J'espère qu'un jour cela changera. Maurice a une lueur dans les yeux. Bah écoute, Maurice, pour le moment, ça a l'air plutôt en faillite. Ça a l'air d'être compliqué, mon pauvre. Ah oui, c'est vrai qu'on avait ça aussi, effectivement. Oh, on a une demande, on avait une demande. Bon, en tout cas, bravo, nous avons sauvé la ville. Une réception élégante. Je souhaite organiser... une réception pour des invités et des amis de la place de la ville. Y a-t-il des agriculteurs locaux qui pourraient fournir des produits d'épicerie haut de gamme? Peut-être.
Oui. Elle veut quoi? Putain. Bon, ça va, ça se fait. 21 jours, ça se fait. Oh, 10 vins de carambole et 10 fromages de chaque. Non mais ça va, quoi. Souffle par le nez, ça va passer. Elle est folle. Salut Penny. Vous imaginez, vous partez de votre maison, vous croisez votre mari à cheval qui en revient à fond de balle comme ça, c'est drôle. Ah non, c'est pas très drôle en fait, mais moi ça me fait rire. Allez, faire du fromage. Non mais du coup je vais cramer des fromages de qualité là. Oh. Merde un peu ça. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des presses à fromage là? Ah. Non mais c'est pas les maillots, c'est juste ça. Des presses à fromage, il va me falloir des presses à fromage. Il me faut des presses à fromage, je n'ai quasiment pas le choix. No eligible chests. Une question. Vin de carambole, ça peut aller très vite, hein. Je crois que j'en ai déjà... Oh putain, mais du coup, je vais lui filer du vin de carambole doré. Non, mais c'est impensable. Attendez, j'ai bien 10 caramboles qui traînent là-bas, non? Faut pas exagérer, c'est quoi ce... Je suis pas un rapia, hein. C'est beaucoup plus pur que ça. Ah non, mais c'est pas là. Au secours! Vraiment que je fasse des obélisques, hein, ce serait vraiment bien. Une dans chaque serre. Pour aller rapidement de serre en serre, je me dis ça peut être bien. Je sais pas comment vous percevez la chose, mais je pense que ça serait le mieux. J'adore la musique de l'été, c'est trop festif. C'est bien. Bas de gamme. Mais j'espère que le vin de carambole, ça met moins de 21 jours, hein, par contre. Oui, bah oui, non, mais bien sûr. Ce serait terrible, sinon. Non, mange pas la truffe, non. Oh, la mayonnaise dinosaure. Comme ça, là. Croyez-moi que ça, là, ça vaut des points. Je garde mes gâteaux roses. Je vais mettre de l'eau pour le chat. Il va falloir que je fasse des presses à fromage. Hein. Pourquoi je suis rentré par contre? Ah oui, pour ça. Pour me la péter. C'est vrai. Ah oui, non, c'était pour poser mon gâteau rose. Excusez-moi. Et avant de dormir, faire un sashimi. Non, non, mais j'ai déjà un sashimi qui est fait, qui est prêt à être donné. Le problème est ailleurs. Je peux faire des presses à fromage? Qu'est-ce qu'il me faut? Des lingots de cuivre? Non, mais attends. Faut vraiment que j'aille racheter du... Oh. Faut que j'aille racheter du charbon. Oh! Oh non, ça je refuse! Je refuse! Je vais faire un malaise. 9 quoi! Non! Oh non, oh non! Par contre, attendez.
J'ai artisan et j'ai producteur. Ouais, 85, hein, c'est bon quand même. Je sais, j'avais dit que je ne devais pas faire ça. Mais à coup de gros fromage, ça fait beaucoup. C'est quoi cette statue là? Pourquoi j'ai un hibou en pierre? Ça m'a mis un coup de pression quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. Bah écoutez. Un peu anxiogène quand même, hein. Genre je peux plus, pourquoi? Plus de bois? Oh non. Pitié quoi. J'ai plus de bois. Ah mais ils avaient déjà un radiateur ici, et bah... Non, à côté de la télé, mauvais plan. Envie de canner. Bon, c'est pas grave. Si c'est grave. Cette manie de devoir poser les tapis avant tout. Et je le sais en plus. Je continue de faire des bêtises. Ouais. Bah, le radiateur, vous savez quoi, on va le mettre chez nous. Hein. C'est vrai que moi j'ai toujours pas de radiateur. Une autre machine ici. Ce sont des machines à mayonnaise que je pose. Alors attention, je rappelle qu'il faut qu'on garde nos fromages. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse une cabane là pour stocker tout ça. Oh. Allons poser au moins les bocaux. Les bocaux, c'est tout à notre avantage. Parfait. Regardez, regardez ça. On va multiplier nos on va multiplier les gains là. N'en doutez pas.
Non mais ça peut pas, c'est insupportable. C'est pas possible ça. Faut que ça prenne un niveau. D'une manière ou d'une autre, mais il faut que ça prenne un niveau là. On a plus de lingots de fer. Je vais en faire. Ça en fait 12. Après c'est quoi? C'est 21 jours. Oh, on va passer la nuit, c'est bon. Je peux pas faire plus à un moment. Tant pis hein, pour le niveau 10 en agriculture. Pendant la nuit, Naf Naf a mis bas un cochon. Et ben après Naf Naf, c'est qui? C'est Nuf Nuf, non? Donc on a un cochon gratuit. Maintenant, qu'est-ce qui a engrossé le cochon? Vince. YouTube, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est, si on doit châtier ou au contraire féliciter Vince qui avait dit qu'il fallait faire de la gelée de rhubarbe. N'hésite pas à me dire. A tout à l'heure, YouTube. Au revoir.